Et bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à Virtua Fighter sur PlayStation 3. Je suis en compagnie de Guillaume. Bonjour, bonsoir Guillaume. Tout à fait, Kimi. En effet, nous sommes devant la borne actuellement avec une pièce de 2€. Et voilà, et on va essayer de pas dépasser les bornes. Allez, appuyez sur la touche Start. Donc on est sur PlayStation 3, j'espère que ça va fonctionner, on va tester ça ensemble pour la première fois, je précise quand même. Là c'est vraiment voyant ce qu'on dit, hein. La première fois qu'on va tester à deux ce jeu. Du coup je te propose un VS, logique. Oui, sur PlayStation 3. Alors normalement ça tourne pas trop mal, à voir dans les durées. Alors ça on s'en fout, on va le donner en fait. Par contre j'ai l'impression que tu bouges les trucs, non? Non. Non, jouer sans les données, ouais c'est mieux. Alors j'ai beaucoup joué à ce jeu à l'époque. J'ai joué avec Ah oui, Amino Kuji. Alors je crois que la dernière fois que j'ai joué à un Virtual Fighter, no fake, c'était sur Sega Saturn. Ah donc, bah c'était un des jeux qui était le plus vendu dehors de la Saturn. Virtual Fighter 2. Avec mes grands frères. Ah t'as créé des données de personnage mais t'es un taré toi. Ok. Alors bon, je te propose de faire aléatoire comme ça au moins. T'en fous. C'est parti. Bon c'est un jeu de combat. Vous allez voir deux nuls en train de jouer. Une femme contre un homme. Oui. Uni dans la bastion. Alors j'attends vraiment la suite du jeu parce que c'est un rare jeu de combat que j'ai acheté. Attends, c'est quoi les touches? Alors normalement je crois que c'est carré, c'est pour bloquer. Croix, c'est les points. Rond, c'est pour les... Ben recule un petit peu avant. Donc ouais, les petits points avec croix. Rond, c'est pour faire les coups de pied. Triangle, c'est pour les... Bah c'est pour la... C'est pour la... les mains aussi. Carré, c'est pour garder. Donc quand tu... pour protéger. Je crois que si t'appuies sur rond très proche, ça fait faire une prise. Touche... haut, c'est pour tourner un petit peu autour de l'adversaire. Et sauter, je sais plus comment on fait. Sauter, je crois que c'est R1. Ah non, c'est R1 pour prendre l'adversaire. L1 pour prendre l'adversaire. C'est parti ! Baston ! Aïe ! Vilaine petite fille ! Aïe ! Oh, il y a un mec qui va m'achever. Oh! Mais je gagne le time-up. Bon, après, on n'a pas vraiment joué la première fois. Oh, c'était vachement court! Et donc, ouais, donc à l'époque, quand le jeu est sorti, bon, là, je le trouvais trop beau sur PS3. Mais bon, les Tekken étaient beaux aussi, hein, c'est pas le jeu. Bon en fait, Virtua Fighter c'est un des jeux les plus techniques en fait de combat avec les King of Fighters. C'est des jeux où ultra punitifs en fait. Et quand tu fais des combats en boucle en fait, t'augmentes ton niveau. Donc là tu vois t'es 10ème QU, on le voit en haut à droite de ton personnage. Et le but c'est d'arriver dans les classes champions, enfin les plus hautes classes, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais... Ah, je me fais latter la gueule. Et dès que tu montes ton niveau, bah l'IA monte ton niveau aussi évidemment, jusqu'à ce que ça devienne des IA ultra difficiles à battre. Mais c'est un jeu où il faut être calme en fait, hein. Il faut vraiment comprendre un peu ce qu'on fait, c'est pas comme un Tekken. Là on va être nul parce que ça fait... Voilà, moi j'ai fait longtemps que j'ai pas joué. Tumken là. Là c'est Tumken là. Hip hop, hip hop, hip hop. Je fais des films. Tu peux changer ton nom évidemment. Donc il y a un mode carrière, hein. T'as des bandes d'arcade, des arènes, tu évolues en niveau, tu peux débloquer des skins, tu peux débloquer des vêtements, enfin t'as pas mal de choses. C'est plutôt pas mal hein, franchement comme jeu de combat. Bon il faut aimer évidemment aimer ça. Combattant. Moi je vais jouer sans les données parce que je m'en fous un peu. Bon ouais, je vais faire plein de persos parce que sinon autant qu'à faire on va vous les montrer un petit peu. Akira qui est le plus emblématique évidemment, tu peux le prendre si tu veux. Je vais prendre P-Chan. Vous voyez un peu les niveaux? Bah mais aléatoire hein, comme ça au moins on... Bon après tout ça. Ça a l'air pas mal. Ouais les niveaux ça, sont ça cool. Ça a l'air pas mal non? Les niveaux sont cool, on peut faire sortir l'autre du ring aussi pour gagner. Et d'ailleurs, il y a une spec assez sympa, c'est qu'en gros elle peut te feinter. En fait elle se remet derrière toi d'un coup, puis pouf elle te balance de l'autre côté, elle te fait sortir du ring, et du coup tu perds. Et on peut se déplacer en 3D, tu sais, genre en profondeur. Oui, tu peux aller un peu plus loin, un peu plus sur les côtés et tout. Alors par contre, je ne me souviens plus du tout des touches. Est-ce que tu peux faire ça? Ah ouais, c'est comme ça. Aïe. Oh putain, mais what the fuck. Je suis trop nul.
Mais quoi, alors, mec, j'étais méga long là. Wouah. Bon, pas, c'est toujours le principe des personnages, voilà, des personnages ultra rapides qui font pas beaucoup de points de dégâts, et les personnages lents qui font des points, beaucoup de dégâts, mais qui sont plus difficiles à placer. Mais j'arrive même pas à taper, il tape pas mon perso, je comprends pas. Je comprends rien du tout des coups, attends, je peux réaliser des coups une seconde. Ah ouais, tu veux voir les des coups, effectivement, pour voir ce qu'il y a. Pour voir un petit peu, parce que, ok. Ah ouais, c'est carrément... Oui, le problème, c'est que tout, voilà, les coups, tu sais pas ce que ça fait, ouais, en fait, faut les tester. C'est quoi le cas? C'est quoi le cas? Le cas, je pense que c'est... je sais pas. Ah, c'est le stick, en fait, quoi, c'est carrément, genre, c'est le stick d'arcade. Ouais, c'est le style d'arcade, à mon avis. 3, 2, 1, ça va. Oh, comment il me latte! Alors, il y a des prises, hein! Voilà, genre ça. J'arrive pas! Non, mais t'inquiète pas, ça va venir. Faut, à la limite, si tu veux, je te laisse un peu le temps de t'entraîner. De toute façon, tout le jeu de combat, c'est toujours pareil. Hein. Attends, si tu connais pas le jeu, tu tires. Faut que je revoie les coups. Ça, c'est coup de poing. Alors, tu peux utiliser le R2. Regardez, ça fait des gros coups de pied ouais, en général. Ouais, ouais. Okay. La garde, c'est très utile aussi, évidemment, hein, si tu utilises jamais. C'est tu quoi la garde? C'est carré. Carré, ah oui, ok. Ah, c'est un coup un peu en avant. Wouah! Ouais, alors tu peux faire des prises aussi, voilà, comme ça. Il faut se rapprocher. Je marche voilà. Dessus! Je marche dessus! Wouah! Ouais, c'est... Par contre, voilà, on est sur PS3, je rappelle, c'est quand même un jeu que super bien fait. Quand tu vois le décor derrière, tous les personnages et tout, c'est quand même... Bon, il y a des personnages multipliés, ouais, évidemment, mais c'est franchement une putain d'ambiance. Et les costumes sont magnifiques, et je trouve que le jeu a pas spécialement vieilli, même maintenant. Non, c'est sûr. Ça se tient bien. Hein. Bon, qui je vais prendre, moi, pour être un peu plus réactif, là. Pourquoi j'ai pris Geoffrey, moi? Retour en arrière. Le coup, on fait pour revenir en arrière, c'est pas grave. J'ai pris quelqu'un en random, c'est pas grave. Fait random, Stone Forest. Alors le décor est parfois destructible aussi. Hein. Ninja. Donc là je suis Kazumi, ninja. Kazumi ninja. C'est like your fighter. Fighter. Entering the combat zone. On a décidément aucune... aucune vanne à nous quoi. Alors moi j'ai pris un énorme... Voilà, Geoffrey, donc Geoffrey et... Geoffrey il est là, il en impose, il a des gros... Il a des gros arguments, on va dire, quoi. J'arrive rien à faire, putain, mais tape, fils de... Ah, il fait rien, ce perso de merde. Il tape pas, je sais pas. Alors c'est vrai qu'il est géant, mon personnage, par rapport au tien, mais... Ah, non, bon, après, en plus, logiquement, je suis très mauvais à ce genre de jeu, alors c'est vraiment... parce que j'avais un peu joué quand même à l'époque. Mais normalement, je suis très très mauvais. Oh, bien, bien, wow. Bel enchaînement. Merde. Putain. Non, tu vois, en perso, super lent. Vous allez m'entendre jurer dans cette vidéo. Ah. Ah, c'est ça le problème du jeu de combat, souvent. Par expérience, je sais que les gens qui aiment pas trop ça en ont très vite marre, en fait. Parce qu'évidemment, bon, ils se font défoncer. Voilà, ce sera pas le cas, hein, tu verras quand t'auras l'habitude. Non, mais quand t'auras l'habitude, tu verras, tu vas pouvoir me battre facilement. Mais c'est juste que, voilà, c'est souvent... celui qui a envie de jouer à ce genre de jeu, c'est le mec qui sait qu'il va gagner, quoi. évidemment. Alors quand tu avances avec gauche-droite, tu peux aussi, quand tu fais des coups de pied, si tu fais gauche ou droite, ça fait un coup de pied vers la gauche ou vers la droite aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu dans l'espace aussi. Je vais jouer sans donner encore. Ah, j'ai prendre Papy. Alors Papy, de souvenir, Shundi là, il peut se régénérer. Non, il boit, et à la fin il devient beaucoup plus fort, je crois que c'est un truc comme ça. Oui, ça marche pas dans la vraie vie, ce genre de choses. Hein. Il se saoule, après il devient plus fort, ouais, non, moyen. Mais... Bah si. Voilà, regardez-moi ces décors, les suites du Niagara, mais c'est magnifique. Enfin, je crois que c'est les suites du Niagara. Je vais te niquer, Papy. La tenue en latex, quoi. Carrément. Viens le battre, Papy. Tu vois, là, je bois. Alors, ouais, te laisse-moi 30 secondes, s'il te plaît, merci. Non, bois, bon, vas-y, utilisez. Bois que je te lave. Alors je bois, et plus je bois, bah plus je vais faire des coups puissants normalement, mais bon. Ah,
Mais putain, il m'enchaîne. Ah, le pire, ce qui est drôle, c'est que t'as même pas pu me mettre un point, quoi. Une fois que tu m'as t'as arrêté de me taper, c'était fini, quoi. Le Sifu. Alors là, tu peux mettre Out of Ring aussi. Là. Arrête de spammer la boisson. Arrête de spammer les boules de feu. Non, mais là... Ah, bien joué. Oh, la strat. La strat du point a marché. Mais c'est quoi ces coups de pied, quoi? Ready, go. Le mec, il a compris comment enchaîner, il enchaîne, quoi. Bien vu. Oui. J'ai rien pu faire, quoi. La blondasse, le pouvoir de la blondasse. Ça, c'est vraiment son ulti, quoi. Arrête, papy. À la sieste. Ah, il m'enchaîne sur le sol, il aime ça. Oh, putain. J'ai mon ulti, je m'en fous. Non, non, non. Ah, pas mal, c'est pas mal. J'en ai bien sorti, en tout cas, avec elle. Fight fire. Ready, go. Aïe, aïe, aïe. Ah, tu veux taper, on va taper, hein, voilà. Enfoiré, il maîtrise le jeu. C'était le combat le plus nul de l'histoire, je crois. Il y a vraiment non, c'est trop marrant. Non, mais c'est genre, je tape, genre, j'ai fait la même chose tout le temps, quoi. Ah, mon dieu. Ah, mais moi, je crois que je vais rester sur la blonde, j'aime bien. Ah, moi, je touche un peu tous les persos. Genre. Ah non, attends, non, je veux pas lui, hein. Ah, trop tard. De toute façon, quand tu changes, tu peux pas revenir en arrière, il me semble. Non. Mais c'est pas grave, tu verras, il peut être très bien. Non, j'aimais bien la blonde. Mais t'es attaché. Tu verras, il est énorme. Ah, match class. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir normalement monter en niveau. Rapide, là, tu vas me défoncer encore. Je crois que tu peux monter en niveau si tu gagnes. Shrek, moi. Shrek, mon perso. Mais arrête, arrête, je suis gentil. C'est pas sympa. C'est pas sympa. La technique de noob, quoi. Comment tu fais pour me contrer comme ça? Bah non, je contre pas en fait. Par contre, toi t'as une promotion si tu gagnes. Ah ouais, une promotion? Ouais, tu passerais 9ème kill normalement. Ah non, je croyais que tu es sur la chaîne YouTube, moi. Non, mais c'est pas possible, je crois. Viens, petit enfant. Attends, y'a moyen viens de te bloquer. Viens te faire laté. Putain, mais je peux vraiment rien faire, quoi. Tu m'as mis un parfait, quoi. J'ai fait un parfait. Je ne peux même pas te toucher. Non, mais sans m'étonner. J'avoue, il est pas ce perso, finalement. Meilleure vidéo, quoi. Meilleure vidéo ever, franchement. Si je gagne comme ça encore, que je refais un perfect, je rigole, quoi. Non. Oui. J'ai même pas pu venir, quoi. C'est incroyable. Ah oui. Ah, je bug exploite le jeu, quoi. Il est promis. Non, non, normalement, tu peux contrebalancer, c'est juste que j'ai pas trouvé... j'ai pas trop comment faire, mais tu peux. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé ma grosse technique de voilà, match. Il voulait pas prendre ce joueur, mais finalement... Non, en fait, je suis sûr que cette technique, elle marche avec n'importe qui, du coup. Non, non, non. Ah, j'ai pris prendre Brad Stallion et Talon, là. Ouais, je me reprends... Brad Burn. Sarah Bryant. Elle est brillante. Oui. Brillante en anglais. Et moi, je suis Bryant. Oh, les aurores boréales. Pas du tout, hein. Je me souviens d'un autre jeu, je crois que c'était sur Dreamcast. Je crois que c'était $2 live à l'époque. Mignonne. Et quand la Dreamcast est sortie, qu'il y avait les jeux de combat, ce qui je trouvais ça énorme à l'époque, c'était quand t'étais dans la neige et tu voyais les paquets de neige se former autour des joueurs. C'était vraiment trop bien, quoi. Non, mais... Voilà, moi aussi je peux le faire, ouais, c'est bon. Voilà. Allez. C'est le combat le plus nul. Contrer, hein. Hein.
Il y a vraiment pas moyen de contrer hein, quand on est là-dedans. Si, il faut reculer. Alors voilà, quand tu fais double tap, tu peux aller plus vite d'un coup. Waouh. Oh le salaud. Frapper une femme comme ça, vous n'avez pas honte? Et toi, t'as changé de personnage, tu es revenu deuxième Q, parce qu'en fait, c'est par personnage que tu les améliores en fait. Pas amélioré. Wow, mais arrête! Ah. Oh là là, c'était ultra rapide. Hein. Ouais, mais là, c'était l'enchaînement. Winner! Allez, on va changer de personnage. Du coup, jouer sans les données. Il y a Lo, il y a Jeffrey, Vanessa, il y a Wolf, là il y a Loi, il y a Elblaz. Elblaz, c'est fait penser au catcheur là, Rey Mysterio. Oh, elle est toute innocente. Ah, je vais prendre Aioli. Mais non, c'est Aoi. Aoi, Aoi, Anosora. Aioli. Aioli. En plus, j'ai vraiment d'Aioli chez moi. Quoi. Ah, cette map elle est cool, j'aime bien. Pas les mignons. Wallow, regardez-moi ces effets de la netienne. Je suis un peu comme ça en vrai, hein, je sais pas si tu te souviens. Comme un catcheur mexicain. Oui, tout à fait. T'as du poil sur le bras. C'est pas ce que je voulais dire. Arrêtez, monsieur, je suis une geisha. Vous devez me respecter. Tu me traites de gay là? C'est ainsi que va la société japonaise. Ah! Vous n'avez aucun honneur, monsieur. Oui. Alors oui, normalement il fait des bonnes prises. T'imagines en vrai voir un combat comme ça, genre une geisha contre un gros catcheur mexicain. Wouah, mais comment il est rapide en plus. Oh, bien. Ça c'est pas mal. Tu vois, la touche L2 des fois, elle te permet de contrer un mec et de le retourner, du coup tu changes de sens. Et tu reprends la... Bordel. Bordel. Ready? Et j'ai mis un petit coup de... Oh, ah, bien joué. Bien joué. Belle défense de la japonaise. Ready, go. Ouf, t'avais bien repris, hein. T'avais bien repris sur la fin. Ah ouais, mais j'aime pas du tout ces persos, les persos comme ça, j'aime pas. Les persos quoi, comme Maui? Ouais, je sais pas, les bizarres. Bah en fait elle est très difficile, enfin c'est partie des persos qui sont un peu compliqués à jouer en fait. Je vais prendre Kagemaru là. Et pas Johnny Cage. Il ne joue pas Mortal Kombat. La rivière. Alors la rivière je crois que on peut se foutre dans l'eau. On est sur une plateforme Le jeu qui était trop bien c'était je sais plus lequel c'est sur Dreamcast où tu pouvais te balancer dans les décors et tout là. C'est pas Dead or Alive. Il y avait pas Power Stone. Je crois que c'était Dead or Alive. Il y avait des transitions de décor et tout. Ah mais bordel. Voilà. Au moment on revient à Ring Out dans la partie. Ah t'as repris la même. Ah non c'est Sarah. Ouais. C'est Sarah Graham. Allez Sarah putain. Bats-toi. Bats-toi pour ta vie. Bats-toi contre tes ennemis. Contre tes ennemis. Oh c'était joli ça. Oh pas mal ça, il avait l'air d'avoir On a fait un Kamehameha, je sais pas. En fait c'est l'ancêtre d'Homer. La défense. Non mais... La défense ultime. Ça marche trop bien. Au secours. Non, j'ai pas géré, je suis resté trop près de toi en fait. C'est trop magnifique en replay quoi.
Approche. Viens prendre ta raclée. Ah, il m'a cassé le délire. Aïe. Merde, merde, merde. Ouh, ça se joue pas beaucoup, hein. Bien ça joué. Se joue pas beaucoup. Les mecs dans le fond, ils vont se dire, mais c'est quoi ce combat de merde? C'est quoi ce combat bien? Et pourquoi ils font toujours la même chose? On dirait le Raiden, là, dans le joueur du grenier, avec les cheveux blancs, les yeux blancs, oui. Quoi. L'équilibre. Le Mortal Kombat. Non, non, pas lui. Merde. Ah, t'as repris Jeffrey? Je vais prendre Jackie, tiens. Ah, mais ouais, t'es Jackie. Ah, y'a un mec qui s'appelle Jackie. Jackie Brian Palace. Le personnage, je me souviens, il était assez joli. C'est sûrement le frère de Sarah Bryant, du coup. C'est bah ouais, logiquement. Je me souviens, c'était le seul que je trouvais plutôt beau, avec les réflexions et tout. Attends, viens, après, on fait le frère contre la sœur. Ça marche. Ouais, mais là, tu vas gagner. Non, monsieur. Non, monsieur. Oh putain, mais quel enculé. Je joue au foot avec ton corps. Mais putain, mais c'est pas possible. C'est monsieur, tu es une montagne de gras. Ready, go. Viens, on joue au foot. Mais putain. Tu peux rien faire avant. Non, mais c'est pas possible. En plus, je me fais double rect à chaque fois. On joue au foot. Oh la vache. En fait, comme tu m'as mis dans l'angle, c'est compliqué. Mais j'aurais dû utiliser L2, je pense, pour reprendre derrière. Oh, la belle esquive. Joli. Oh, il m'enchaîne, le con. Oh, joli. Ouf. Petite musique, d'ailleurs, très connue. Fight for. Ready? Go! C'est énorme quand même. C'est vraiment combat de boss, quoi. Oh! Vas-y, s'en sortir. Oh, joli, joli, joli. Joli jumper. Ah, bien joué. Et belle victoire pour Jeffrey. Oh, c'est ça. Ouais, c'est... bonjour, ils l'auront pas en vidéo. Publicité. À la petite publicité, non, c'est une mise à jour. C'est une mise à jour. Alors, tu voulais faire quoi quand combat, tu m'as dit? Sarah contre... Sarah Bryant versus Jean-Michel Bryant. Ah, t'as pris... Ok. Tu prends Sarah, évidemment, évidemment. Attends, c'est lequel? Jackie... Mais Jackie, je viens de le prendre, bonsoir. Ah oui, c'est pas grave, c'est le frère contre la sœur. Aléatoire, toujours. Ah, ben voilà, remis sur... Ah non, mais du coup, on va pas faire aléatoire la prochaine fois, on va prendre vraiment une map qu'on a pas fait. Et non pas l'aléatoire. Fight one. Ready? Go! Aïe! Engin, fais pas ça, ta sœurette! C'est toi qui devais faire la vaisselle ce matin! Non, oui, c'est pas vrai! On est en année bissextile et c'est la semaine A! Et en plus, j'avais mes règles, alors je pouvais pas! Oh là là, ce nom, ce beaufitude! Oh, les hommes gagnent toujours! On va essayer de changer les tenues d'ailleurs, parce qu'on peut, normalement, il y a deux tenues disponibles dès le début. Aïe, aïe! Eh hey, oh, oh, il va se calmer là, le. Hein? Oh, voilà! Fight 3! Ready? Go! Allez, celui qui perd, hein, il fera les courses. Ha!
On peut pas vraiment parer les coups. Si, on peut, mais disons qu'après, il faut que t'arrêtes de défaire de ça. Oh, mais c'est dégueulasse avec ce que je t'ai mis, que ça s'en va lui faire là, putain. Ouais, mais comme j'ai, voilà, j'ai tapé le bas, quoi. Ouais. Toi, je suis content. Ah, j'ai tué ma sœur. Je suis content, le jeu il tombe plutôt bien quand même. Hein. Pas trop de problème. Le mec il est trop content alors qu'il vient de latter sa sœur. Alors attends, jouer sans. Qu'est-ce que je pourrais prendre, Vanu? Tu as pris Vanessa? Ouais, Vanessa, tiens. Il me semblait qu'on pouvait changer. Je vais prendre le vieux drunk. Je sais pas. C'est comment que tu bois? Ah, pourquoi t'as pris la tour? C'est. Il faut aller vers la droite et. Enfin, c'est en même temps, je crois que c'est L2 et touche de gauche. Ok. Mais faut vraiment boire, hein, c'est pas au bout de 3. Ah, j'arrive pas. Bon, bah écoute, hein, du coup, ça va se passer entre nous. Ça va se passer entre nous, Bobby. N'oubliez pas que je suis un papy qui connaît le Sifu. Je maîtrise le Kung Fu. Et toi, non. Tu n'es qu'une belge d'Instagram. Ne l'oublie pas, sois humble face au papy Sifu. Oh, la remontée, je pensais vraiment que j'allais mourir, franchement. Le petit point de vie qui reste à la fin. Je n'ai pas fini. Non mais là, c'est pas possible, je pouvais vraiment rien faire. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Non, je peux rien faire. Alors, c'est qui le papa? Voilà, moi aussi je peux la faire. Oh la vache, c'était encore plus ridicule qu'avec ton papy, je crois. On a le même réflexe. Oui. Putain, mais c'est pas possible. Il va me prendre dans un coin encore. Non, à moi de refaire la même. Ah, l'IPP de ce jeu, putain. Ah, bien joué. Fight pas. Non mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? Comment j'ai fait ça? En plus, une fois que t'es dans un coin, tu peux même plus reculer, donc du coup t'es toujours face à la personne. Je me suis assis sur toi et tout. Je t'ai sauté dessus. Je sais même pas comment j'ai fait. Alors, comment on fait déjà pour changer les tenues? T'as jamais trouvé ça. Attends, oh merde, je vais pas prendre Lyon, mais. Ah merde, R2 ça fait choisir, mais pourquoi. Attends. Qu'est-ce qu'on a pas fait? On a pas fait les ruines si. Abandonner deux jours, on l'a fait. Islande, tiens. Je suis sur Islande. Islande. C'est bizarre, c'est pas comme j'imaginais l'Islande. Ça a l'air plus tropical. Island. Ah, et je n'ai pas Dieu. Je fais du hip-hop. C'est normal qu'ils ont les yeux comme dans Riddick. Ça dépend, mais je crois que là c'est peut-être un petit bug. T'as vu l'arrière qu'on va être très bien faite là. Technique du cobra qui aboie. Allez. Vas-y là! Bien vu! C'était limite. Oh, c'est dur! C'est dur, c'était c'est dur! Limite. Putain! Ouf! Ce coup là, il était vraiment. Énervé. Go!
Oh, comme je t'ai vivre, comme je t'ai esquivé, laisse quoi. Oh là là, laisse-moi je... faire la capo. Le mec, il s'est fait mis dans le vent pendant moins 10 secondes, quoi. Non, je vois que tu... Bon, allez, on fait la une petite belle. Dernière. Allez, ouais. Allez, je vais s'en donner, tu prends ce que tu veux. Moi, je vais finir avec Sour Brands, c'est ma préf. Bah, moi, je finis par oui, alors, parce que c'est ma préférée aussi. Par contre, je sais toujours pas comment on fait pour changer de tenue, bon, c'est pas grave. C'est toi qui choisis, là? C'est toi qui choisis? Allez, je choisis. Prends ce que tu veux, un qu'on a pas fait. Ça, on a pas fait, ça. Ouais, si, t'es, ouais. Bon, c'est sous la pluie, c'est pas le plus joli, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouah, là, c'est Matrix, dans le monde de Matrix, Unreal Engine 5. Mais c'est grave Matrix, mais trop, j'ai pensé à ça direct. Ça, c'est grave Matrix. Ah, tu vois les yeux, là, ça repart un peu. Ouais. Ah ouais, c'est bien. Elle est jolie, Sarah Bryant. Allez, on finit sur la technique qui marche. Non, vous ne m'aurez pas. Putain, oui, oui. Je ne peux même pas en fait reculer, c'est ça le problème. Sarah, je t'aime, Sarah. Continue comme ça, change rien. Oh, qu'est-ce qui se passe? Attends, j'ai perdu le jeu là. Ouais. Oh, j'ai du lag. Putain, mais mec, j'ai. Mec, putain. Les 30 dernières secondes de jeu, elles sont. Je viens de passer en accéléré devant moi. Je sais pas si c'est passé, c'était trop bien. Ok, c'est bon, c'est revenu. Je me défends. Oh, non. Je peux pas finir comme ça. Non. Non. Putain. Ouf. Un partout. Fight 3. Ready? Go! Merde. Oh, joli ça. Oh, je vois pas grand chose. Ah, oh yes. Putain, j'ai jamais pu reculer. Ah, tu l'aimes pas ma technique, hein? Et là, tu l'aimes celle-là? Tu l'aimes celle-là? Merde! Merde! Bon, bah, c'était. C'était pas mal. Ouais, moi, je vais acheter un coussin avec Sarah Bryant dessus. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, écoute, je pense qu'on a pensé du jeu rapidement. Victor Fighters. Ouais, sympa, franchement, sympa. Ça se prend bien en main. C'est cool. Bon, voilà, ouais, bon, tu vois, t'as plus de pourcentage de victoire que moi, mais oui, c'est mais sympa, bon, ça, d'accord, c'est pas l'important. Mais en tout cas, ouais, bon, après, le jeu est plus dur que ça, c'est parce que nous, on joue comme des bourrins, mais vraiment, si vous jouez en solo, il va falloir vraiment comprendre tous les persos par cœur, parce que c'est vraiment un jeu hyper compliqué. Bon, bah écoute, merci à toi, Guillaume. On se retrouve pour prochaine vidéo. Je t'en prie, un plaisir, hein, toujours un plaisir, ça marche. Des bisous. Des bisous, ciao tout le monde.